Eh bien, chers amis, je suis très 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 heureux de vous retrouver à la Zinc TV. Tenez à remercier tous nos abonnés qui sont de plus en plus nombreux et surtout en particulier Alexandra Vert qui est une fan, je dirais, de la première heure et je la remercie pour cela. Donc aujourd'hui, nous allons voir où est Tony. Je ne sais pas où il est, il m'a laissé tout seul sur le plateau. Tony? Oui, mon cousin. T'es où? Écoute, là, je vais rendre visite à un ami. Alors, je vais vous faire découvrir cet ami, hein, qui n'est autre que Pancho Baldonato. Nous allons voir en direct son travail, ce qu'il nous prépare. Vous me suivez? Allez, on y va, Tony. Salut, Pancho. Salut. Ça va? Bien. Eh bien, écoute, impeccable, écoute. On est là avec les amis. Je vais leur proposer de venir découvrir ton travail au studio. C'est tout ça pour la Zinc TV. Alors, salut. Nous sommes en duplex avec le Zinc et nous allons le rejoindre tout de suite d'ailleurs. Alors, mon cousin, tu m'entends? Ouais. Voilà, bah, écoute, on est là avec Pancho. Bonjour Pancho. Salut Zinc. Ça va? Bien et toi? Ça va, ça va. Alors, tu vas nous présenter un peu tout ce que tu fais? Et tout ce qu'on a fait. Allez, je te laisse avec Tony alors. Pancho, alors moi perso, je te connais, ça fait des années, on travaille ensemble. Mais j'aimerais que tu te présentes, que tu te fasses connaître auprès de tous ceux qui ne te connaissent pas. Pour tous nos amis de Zinc TV, explique-nous en quelques mots qui tu es, ton travail, etc. Ben en fait, je travaille en studio depuis l'âge de 16 ans. Ouais. Et toute la famille dans la musique. Oui, j'ai depuis 3 générations. Et donc, du coup, voilà, j'ai appris sur le tas. Et après, je suis parti sur Paris pendant 20 ans. Et après, je suis revenu sur Marseille. Et j'ai ouvert un studio ici. J'avais un studio à Paris. Très bien. J'ai fait pas mal de trucs. Il me semble que tu as fait aussi, tu as travaillé avec, avec des artistes de renom comme Aishtar, Garou. Oui. Alors, c'est Daniel Levy, Liane Folie, Aishtar. Ça, c'est la folie, ça. Et après, on a commencé à travailler ensemble. Et donc, ça a commencé à bien, bien démarrer pour nous, c'était en 2013. Lorsque on travaille sur un album, c'est et puis DJ Mams t'a contacté, c'est ça. Qui cherchait un profil latino, c'est toi qui m'as présenté, etc. Et puis ensuite, de fil en aiguille, j'ai créé des liens avec d'autres artistes comme Colty Métissé, d'autres artistes, et puis voilà, l'aventure continue. Là, j'entends notre titre d'ailleurs, Oyeme, c'est ça. Qui fait partie de l'album Oyeme. Oyeme, qui est disponible dans toutes les plateformes de téléchargement. Voilà, donc explique-nous un peu ce que tu fais en ce moment. Ben, en ce moment, je suis sur un projet pour le prochain album de Ishtar. Oui. Ishtar, c'est celle qui s'appelait avant Alavine. Ah, c'était Ishtar Alavine. Ouais. Voilà. Donc, du coup, je suis sur le prochain album qui sort à l'étranger. Et d'autres projets encore perso, avec d'autres artistes. Et aussi. D'autres artistes signés au Major, il ne faut pas en dire plus. Voilà, et puis nous on va se remettre au boulot juste après la Zinc TV sur notre album, notre titre. C'est ça. C'est ça. Voilà. Mais écoutez, ce sera tout pour nous pour aujourd'hui. Je vous rejoins tout à l'heure avec le cousin en direct live de chez lui. Voilà. Super reportage, Tony, merci. Merci, tu vas nous rejoindre. Bon, Tony va nous rejoindre tout de suite. Donc, je remercie encore, vraiment, je vous remercie vraiment de tout mon cœur, tous ceux qui sont et qui nous regardent sur YouTube, sur notre chaîne. Je remercie Pancho aussi. Alors, Pancho, vous pouvez le joindre donc, sur sa chaîne YouTube, Piris Records Edition, ça sera écrit là. Donc, il n'y a pas de souci. Il faut surtout s'abonner aussi à sa chaîne YouTube.
Nous le remercions beaucoup et on va le rejoindre très très bientôt aussi, Pantio, pour de nouvelles aventures. Tony, tu vas venir, donc il est où, Tony? Eh, salut! Eh ben, tu fais vite, hein. C'est la magie du web. C'est le web qui est marrant. Salut les amis. Salut. Alors, c'était bien, c'est super. Mais c'est, franchement, tu as l'âme d'un reporter. Mais écoute, on s'investit, on essaie de faire au mieux pour expliquer, pour découvrir, pour rigoler aussi. Ben là, on va mettre ton son au Yémé. Au Yémé. Au Yémé, qui est... Et si tu peux nous le faire à la guitare, tu peux Je peux, mais j'ai... Tu peux pas faire à capello. Je peux pas faire un campello. Donc, j'aimerais... Je pense que tu avais aussi des annonces à faire aujourd'hui. Tout à fait. Je ne sais pas dire. Alors, tout d'abord, je tiens à remercier les participants du concours qui a eu lieu juste un peu avant la première émission qu'on a fait. Tout à fait. Ça s'appelle Les Voix de Demain. Oui. Et donc, je pense qu'il y a eu une gagnante qui s'appelle. On va le découvrir, ça c'est surprise. Et puis, je tiens aussi à préciser qu'on s'investit pour les hôpitaux et les enfants malades. Donc, je viens d'être contacté par une association et je vais rendre visite aux enfants malades à la Timone. Donc, j'encourage tous les artistes. Et toutes les personnes qui ont envie de donner un peu de leur temps pour ces personnes et surtout pour ces enfants. Ce sont des œuvres caritatives qui sont tout simplement de tout à fait. Caritatives, comme pour les gitans, ils savent aussi parler français. Je vous fais pas dire. Oui, voilà. Et je pense que tu vas partir aussi à tourner très bientôt. Oui. Les dates, c'est bon, alors là pour les dates les prochaines, ça va être sur Bordeaux. Ensuite, on va clôturer à Dubaï. Il y a une autre grande tournée qui s'annonce pour l'été 2019. Donc, on va remonter les dates ici. Et sur la page de Tony Gomez officiel. Donc on finit toujours en chanson sur Azinc TV. Tu as ta guitare, tu as tous les... Tony Gomez, il a toujours sa guitare avec lui. C'est Tony Guitare. On dit guitare, oh, la guitare. C'est magique. Ah, je tenais à remercier, avant d'oublier, Thomas. Thomas Santiago, pour son émission Gypsy Fiesta. Et on attend encore des nouvelles aventures. C'était lui qui nous a donné un peu aussi, il faut le dire. Oui, bien sûr. Et il nous a donné l'idée fait. De faire notre télé aussi. Et il est le bienvenu, car c'est un bon, Thomas. Donc il vient quand il veut et il est le bienvenu sur la Zinc TV. Et maintenant, on écoute Tony Gomez. Écoute, je vais faire une petite dédicace aux fans, mais c'est plus des amis. On m'a demandé un prisonnato. D'accord. Un prisonnier de son Corse. Ouais. Donc voilà, ça c'est pour vous. Je t'en prie, petit moineau. Toi qui viens quelquefois pour me rendre visite, cherché sous l'un de ces barreaux. Merci à tous, c'était la nouvelle émission de Zinc TV et on se dit à très 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 bientôt avec Tony Gomez. Merci les amis, puis voilà, surtout parlez-en à vos amis, à vos voisins, votre chien, votre chat, voilà, à 30 millions d'amis, voilà, vos poissons, voilà, parlez à tout le monde de nous et c'est super. C'est l'émission pour tous. Tchuss. Non, 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 óyeme, cuando te estoy llamando, oh.
Contestame. Contestame. Daniel Lévy, il y a eu Liane Folly, Ishtar. Ça, c'est la folie, ça. C'est. C'est non, c'est pas possible. Ça, c'est la folie. Daniel, c'est la folie.